Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant en très nombreux pour y être informé des dernières nouvelles et surtout en primeur. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 130e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement le ce qui fait discussion à chacune de nos entrevues, discussions entre nous. Le CQFD de votre bled Maharibia se penche aujourd'hui une nouvelle fois sur ces incendies de forêt auxquels est confrontée toujours cette Algérie. Mais cette Algérie accuse le Maroc d'être impliqué dans ces incendies. Oui, le Maroc est impliqué dans ces incendies qui ont ravagé le nord-est algérien ces derniers jours. Et par conséquent, cette Algérie contrevoit ses relations avec le royaume marocain. Ainsi, acculé par la multiplication des échecs, notamment dans la gestion de la crise du Covid et de la récente catastrophe des incendies de forêt, pris en tenaille entre les affres de la faillite économique, politique et sociale, eh bien, le régime des généraux algériens semble aujourd'hui privilégier la stratégie du pourrissement dans ses relations avec le Maroc. Et c'est dans ce climat malsain que cette Algérie accuse aujourd'hui le Maroc et Israël, oui, le Maroc et Israël, d'encadrer à Paris le MAC, ce fameux MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et le mouvement Rachad. C'est peut-être ce qui explique le pourquoi et le comment de cet état d'alerte maximale aux frontières avec le Maroc et la fermeture de l'espace aérien entre les deux pays. Donc après ce court préambule de notre séquence ici, donnons place au titre de votre séquence en évoquant tout d'abord cette fuite en avant des responsables algériens qui se précisent de jour en jour puisqu'ils ont décidé purement et simplement de revoir leurs relations avec le Maroc. On ne sait quelle mouche les a piqués. Mais, si vous le voulez bien, débutons d'abord cette séquence par un texte d'Arzqi Massi relatant ce meurtre perpétré à l'Arba'a Nathiratin d'après un ancien ministre algérien, Nourdine Boukrouh, qui évoque tout simplement un crime d'État que le régime algérien veut imputer au MAC, à ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et l'homme politique algérien, ce Nourdine Boukrouh, a remis en cause la version officielle de la police judiciaire algérienne sur le meurtre de ce pauvre Jamal Ben Smaïl, Allah yirahmou, à l'Arba'a Nathiratin. Dans une longue contribution publiée ce dimanche 16 août dernier sur sa page Facebook, l'ex-ministre du commerce sous cet ancien abbé, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, abbé, ce petit invalide démis de ses fonctions par ce Hirak, rappelons-nous. Et ce ministre relève donc des contradictions entre la version du parquet et celle du directeur de la police judiciaire, tout en jugeant
irrecevables les explications fournies par le directeur général de la police judiciaire algérienne pour justifier l'inaction de la police. Ce Nordine Boukrouch évoque clairement un crime d'État. Et Nordine Boukrouch a aussi souligné d'emblée dans sa contribution que le crime d'État n'est pas un fait inédit en Algérie, mais c'est une pratique ancrée dans la culture des dirigeants algériens et qui remonte même avant l'indépendance. Oui, qui remonte même avant l'indépendance. Et il nous rappelle les crimes d'État dans l'histoire contemporaine de cette Algérie de 1957 à 2021. Et ces crimes ne se comptent pas. De celui de Abben Ramdan en décembre 1957 à celui de Mohamed Boudiaf, rappelons-nous, en juin 1992. Les causes en étaient politiques. Il s'expliquait par les luttes pour le pouvoir et une certaine raison d'État, entre guillemets, pouvait être invoquée même s'ils n'ont jamais été reconnus comme tels, a-t-il affirmé. Évoquant le meurtre de ce martyr Jamel Ben Smaïl, cet observateur et commentateur de la scène politique algérienne n'arrive pas à comprendre ni à admettre l'inaction de la police, ce qui conforterait sa propre thèse. L'inexplicable et l'inadmissible dans cette affaire, c'est que les faits se sont déroulés à quelques mètres de l'entrée du commissariat de police, sous les yeux indifférents de plusieurs policiers et avec l'assentiment des plus hauts responsables nationaux de la DGSN, qui auraient ordonné ce retrait, soi-disant pour ne pas causer de plus importantes pertes, ce qui veut dire que celle de Jamel Ben Smaïl était concédée avant d'être actée, a-t-il souligné. Abondant même dans le même sens, ce Nordine Boukrouch estime que les explications du directeur général de la police judiciaire algérienne soulèvent des soupçons. Oui, soulèvent des soupçons. Or, voici que le 15 août dernier, c'est le directeur de la police judiciaire qui fait une déclaration publique sur les circonstances dans lesquelles a été assassiné le jeune artiste. Ses propos et son raisonnement ont laissé sur sa faim l'opinion publique, qui a vu sa curiosité légitime se transformer en certitude qu'il y a du louche là-dessous, que c'est une bavure, une mauvaise évaluation des choses, ou même un crime d'État. Oui, un crime d'État. Et Boukrouch, Nordine Boukrouch, n'a pas manqué de mentionner des contradictions flagrantes entre la version du directeur général de la police judiciaire et celle de la justice. La version du directeur contredisait le communiqué délivré par le parquet, quelques jours plus tôt, et balayait reconnaissance de la responsabilité de la police dans ce meurtre du commissariat de la Daïra, c'est-à-dire la sous-préfecture, au commandement supérieur évoqué par ce directeur. Donc les explications qu'il a fournies pour justifier l'inaction de la police qui a assisté du début à la fin au lynchage sans esquisser le moindre geste dans ce flagrant délit sont irrecevables, a-t-il soutenu. Et pour rappel, le procureur de la République près du tribunal de l'Arba'a Nathiraten avait déclaré dans un communiqué que le défunt Jamel Ben Smaïl, Allah yirhamo, a été remis par un groupe de citoyens à la police, alors que le directeur général de la police judiciaire avait affirmé lors d'un point de presse que la victime s'est rendue d'elle-même à la police demandant sa protection. Mais dans ce cas, qui croire? Le parquet ou la direction générale de la Sûreté nationale, cette fameuse DGSN. La police a livré Jamel Ben Smaïl à la foule. Le non-recours au tir de sommation par la police n'a
qu'une explication selon Nourdine Boukrouet. Il y avait une volonté de livrer le défunt artiste à une foule manipulée et préparée à commettre l'irréparable. Et selon toute vraisemblance, la police a livré Jamel Ben Smaïl à une foule persuadée qu'elle était autorisée à assouvir ses envies meurtrières. Le droit, la loi, le sens moral même, faisant obligation aux forces de l'ordre présentes sur les lieux d'empêcher ce crime par tous les moyens, au péril de leur vie, en tirant à balles réelles sur quiconque serait opposé à elles dans l'exercice de leurs fonctions, et même si l'opération devait se solder par des victimes, a-t-il commenté. Pourtant, ce crime était évitable, d'après Nourdine Boukrouet. Deux ou trois rafales tirées en l'air auraient suffi pour mettre fin à l'expédition meurtrière et disperser la foule, composée non pas de têtes brûlées, des cocktails Molotov ou des armes blanches à la main, mais d'adultes à l'aspect ordinaire, sérieux et responsable. Même les individus arrêtés, et à qui la parole a été donnée dans la foulée de la déclaration du directeur, n'avaient pas l'air de malfaiteurs, à la mine patibulaire, ni décervelés, prêts à en découdre, mais de personnages du commun, comme vous et moi. Les dizaines de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une foule énervée, mais pacifique, parlementant, même avec la police, en civil, sans animosité, et qui se serait dispersée sur de simples injonctions verbales dans sa direction. Se débarrasser d'un hérakliste et imputer le régime au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Eh bien, pour Nourdine Boukrouet, ce crime a été soigneusement orchestré à tous les niveaux de responsabilité au sein de la police algérienne. La police a, du sommet à la base, laissé commettre sous ses yeux et ceux du monde entier un lynchage barbare. En adoptant cette attitude, elle a délibérément suspendu sa raison d'être en tant qu'institution chargée de la protection de la vie humaine et de l'ordre public, et par conséquent à l'existence de l'État pendant toute la durée du crime. Elle a ainsi forfait à sa vocation, à sa mission, à sa raison d'être, car d'autres options qu'elle connaît mieux que nous, simples spectateurs, s'offraient à elle, a-t-il déduit. Mais quel est donc ce choix qui s'offrait aux services secrets algériens? Elle a choisi de sacrifier un jeune homme de 34 ans, venu faire du bien, de trahir son serment de défendre en toutes circonstances la loi, l'ordre et la sécurité des biens et des personnes, et de rendre l'État complice d'un crime d'État, sans raison d'État, sauf à croire à la théorie défendue par certains selon laquelle il s'agirait d'une opération destinée à faire d'une pierre deux coups, se débarrasser d'un hérakliste et imputer le crime au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, a expliqué cet homme politique algérien. Et dans le registre, cette fois, des relations avec le Maroc, la junte militaire algérienne a décidé par on ne sait quelle mouche qu'il a piqué, tout simplement du monde, de revoir ses relations avec le Maroc. Ce qui est une réponse probable, oui, probable, à la main tendue par le roi Mohamed VI et aux efforts des États-Unis de rapprocher les deux voisins, pour ne pas dire les deux frères ennemis.
L'Algérie a décidé donc de revoir ses relations avec le Maroc, qui l'accuse d'être impliqué dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord-est du pays, selon un communiqué de cette pseudo-présidence algérienne. Les actes hostiles, incessants, perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest, stipule ce même communiqué sans autre précision. Il est même question, ici, d'après ce communiqué, des incendies, oui, des incendies d'origine criminelle. Et vous avez bien entendu, d'origine criminelle. Et cette décision a été prise lors d'une réunion extraordinaire du Haut Conseil de sécurité algérien, présidé par qui? Eh bien, par celui qui se dit chef de l'État, cet athée, et consacré à l'évaluation de la situation après les gigantesques feux de forêt qui ont fait au moins 90 morts dans le nord-est du pays. Et ce soi-disant président athée a affirmé que la plupart des incendies étaient d'origine criminelle. Décidément, cet athée incorrigible, sans foi ni loi, voit des crimes partout, même là où il ne se trouve pas, où il ne se retrouve pas. Les dirigeants algériens ont accusé une organisation indépendantiste kabyle basée à Paris. Oui, les incendies ont été provoqués par une organisation indépendantiste kabyle basée à Paris. Et elle est impliquée dans ces incendies et dans le lynchage même d'un homme accusé à tort de pyromanie en Kabylie, c'est-à-dire au nord-est du pays, la région la plus touchée par les feux. Et ils ont également mis en cause le mouvement islamo-conservateur, ce Rachat, établi à Londres, lui. Ces deux mouvements, bêtes noires, oui, ces deux mouvements, sont des bêtes noires du pouvoir algérien. Et ils sont illégaux en Algérie, où ils ont été classés comme organisation terroriste. Vous avez bien entendu, classés comme organisation terroriste depuis le 18 mai dernier. C'est ce qui explique peut-être le pourquoi et le comment de cette nouvelle stratégie du pire. Non revue, revue peut-être et non revue, ou peut-être corrigée ou non corrigée par cette junte militaire, cette nouvelle stratégie donc. En effet, c'est en guise de réponse aux nombreux signes de bonne volonté exprimés par la plus grande autorité du royaume, en la personne même du roi Mohamed VI, qui avait tendu une main amicale à l'Algérie à l'occasion du dernier discours du trône, allant même jusqu'à proposer 10 jours plus tard son aide logistique pour combattre les nombreux feux de forêt qui ont brasé leur pays. Ces militaires algériens, décidément par la voix de leur marionnette, l'autoproclamé président, cet athée, viennent de monter de plusieurs crans dans leur attitude hostile et belliqueuse envers ce Maroc. Et à l'issue d'une réunion donc du Haut Conseil de sécurité algérien, ce même athée, oui, ce même athée qui a visiblement pris l'habitude de faire des sorties médiatiques ubuesques, a indiqué que la plupart des incendies était d'origine criminelle, mais en plus accusant le Maroc d'être impliqué dans cette catastrophe qui a ravagé le nord-est de l'Algérie. Noyé dans ses mensonges, noyé dans les thèses complotistes, cette pseudo-présidence algérienne a déclaré dans un communiqué que les actes hostiles, incessants, perpétrés par le Maroc
Et son allié, écoutez bien, son allié, l'entité sioniste d'Israël, contre son Algérie, ont nécessité la révision, oui, ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest. Et pourtant, elles étaient fermées. On ne sait de quel contrôle on va encore y rajouter davantage sur des frontières fermées depuis belle lurette, sans présenter aucune preuve tangible. Ce régime algérien avance que le Maroc et Israël soutiennent et aident les deux mouvements terroristes. Oui, le Maroc et Israël aident deux mouvements terroristes. Vous allez me dire lesquels? Eh bien, c'est vite trouvé. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et ce fameux parti Rachad, parti islamiste. Et ces deux partis sont tenus pour responsables du drame que vit tout le pays. Des allégations étonnantes, puisque le Maroc avait promptement et fraternellement réagi après le déclenchement des feux, exprimant sa disponibilité à aider l'Algérie en proposant la mobilisation de deux Canadairs, alors que les flammes envahissaient également quelques régions du Maroc. C'est d'ailleurs grâce à ces mêmes avions que les autorités marocaines ont pu maîtriser totalement les incendies qui ont ravagé en 5 jours plus de 1100 hectares d'une forêt dans le nord du Maroc. Il faut donc se rendre à l'évidence qu'il s'agit une fois de plus d'une tentative surannée de la junte militaire algérienne visant à détourner l'attention du peuple algérien frère vers l'extérieur à un moment où il y a réellement feu dans la demeure algérienne qui met en péril sa propre légitimité. Pour rappel, le rétablissement propre et net de la souveraineté marocaine sur le passage frontalier d'El Guerguéret le 13 novembre 2020, suivi par la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du royaume sur son Sahara le 10 décembre de la même année, avait sonné le glas de 4 décennies de manigance algérienne à l'encontre de l'intégrité territoriale marocaine. L'effritement des thèses séparatistes aux quatre coins du globe, accompagné en parallèle par la multiplication des ouvertures de consulats de pays amis et même autrefois ennemis dans ces mêmes provinces du Sud, conjugué à la succession de victoires diplomatiques marocaines, a visiblement déstabilisé les desseins du régime algérien, qui se trouve aujourd'hui au pied du mur, en interne comme à l'international. D'où les tentatives de fuite en avant, à travers la création d'un ennemi extérieur imaginaire, l'entretien d'une ambiance de complot où le Maroc est constamment désigné comme l'ennemi originel et la multiplication des provocations à son encontre en vue de faire diversion sur une situation interne devenue plus qu'explosive. Et simplement comme cela, tout simplement comme cela, si l'on ose le dire ainsi, que cette Algérie-là accuse le Maroc et Israël d'encadrer à Paris le MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et aussi ce mouvement Rachad. Effectivement, en Algérie, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et le mouvement Rachad, islamiste proche du Qatar et de la Turquie, sont plus que jamais dans la ligne de mire de la propagande officielle. Le dernier acte de cette campagne contre les deux organisations est l'œuvre du groupe médiatique An-Nahar. La chaîne TV a annoncé ce mercredi dernier que le chef du MAC, donc de ce mouvement pour l'autodétermination
de la Kabylie, ce Farhat Mehenni, et son homologue du Rachad, l'Arbé Zétot, se sont réunis secrètement le 12 août dernier à la ville de Fontainebleau, au sud-est de Paris, pour préparer l'après-assassinat de Jamal Ben Ismaïl. La rencontre a connu la présence de l'attaché militaire du Maroc. Oui, cette rencontre a connu la présence de l'attaché militaire du Maroc, du représentant des Juifs marocains, en France, et d'un diplomate sioniste, ce que rapporte An-Nahar Online. Au cours de cette réunion, donc, ajoute la même source, des instructions ont été données aux deux organisations terroristes, oui, terroristes, pour envenimer la situation et exploiter les réseaux sociaux pour l'intimidation et l'évacuation des assassins de Jamal Ben Ismaïl hors de l'Algérie. Dimanche dernier, le directeur de la police judiciaire a affirmé devant la presse le principal accusé de ce crime, celui qui a asséné des coups de couteau à la victime, a été arrêté en tentant, écoutez bien, de s'enfuir vers le Maroc. C'est la première fois que le complotisme en Algérie lie le mouvement Rachad islamiste au Maroc et Israël, au même titre que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et dans son allocution télévisée du 12 août dernier, ce pseudo-président absent, cet athée, a accusé deux organisations terroristes, sans les citer nommément, de vouloir semer la division du pays. Depuis le 23 avril dernier, le gouvernement algérien a classé ce MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et le mouvement islamiste Rachad, sur la liste des entités terroristes. Et c'est certainement le pourquoi de cette junte militaire a décrété un état d'alerte maximal aux frontières avec le Maroc et la fermeture de l'espace aérien entre les deux pays. Oui, le communiqué du Haut Conseil de sécurité HCS, réuni donc ce mercredi dernier sur convocation exprès de ce pseudo-président athée de cette République, est suffisamment intelligible, même si les éléments de langage choisis dénotent une pondération et une équanimité chez les autorités militaires et civiles face aux provocations répétées du régime monarchique de Mohamed VI. Ainsi, ce communiqué interpelle en ces termes. Et ce HCS, ce Haut Conseil de sécurité, parle d'intensification du contrôle sécuritaire sur la frontière avec le Maroc. En clair, l'armée est placée en état d'alerte maximale pour parer à toute éventualité après la menace du ministre israélien des Affaires étrangères, ce Yair Lapid, qui, à partir de Casablanca, a évoqué ce qu'il a qualifié d'alliance algéro-iranienne inquiétante. Une liaison, par ailleurs, de sources concordantes que cette Algérie a décidé de fermer l'espace aérien et de rompre toute liaison entre Alger et Casablanca. Et donc, cette liaison aérienne qui n'a jamais jusque-là été suspendue, même après la fermeture des frontières terrestres en 1994 et au firmament de la crise entre les deux pays. Les attaques marocaines contre l'Algérie sont allées crescendo et les autorités algériennes ont toujours essayé de garder la tête froide pour éviter que les choses s'enveniment davantage. Mais selon cette Algérie patriotique,
qui stipule avec sa certitude habituelle, comme si elle en détenait tous les tenants aboutissants, de cette attitude prudente et sensée de cette Algérie, semblant avoir été perçue comme un signe de faiblesse, vous allez entendre, par les décideurs à Rabat. Une faiblesse des décideurs de Rabat, les accusant de s'en être allés chercher la protection de l'entité sioniste avec laquelle ils ont passé un deal qui consiste à officialiser les relations déjà existantes entre les deux alliés historiques, en contrepartie de la reconnaissance des territoires occupés par l'une et l'autre, puissante occupante, l'une en Palestine et l'autre sur le Sahara occidental, ils n'osent pas dire marocain. Bien avant la normalisation, dans des sources médiatiques israéliennes, nous apprennent qu'elle est le fruit d'une demande du Maroc et non l'inverse. L'Algérie avait commencé à percevoir une attitude peu amène de la part du voisin de l'Ouest. Ce voisin occidental, ce Maroc, qui est passé à une vitesse supérieure dans ses agressions, jusqu'à atteindre le firmament à New York, où le représentant du Mersin a déclaré la guerre de façon explicite à l'Algérie, en prenant fait et cause pour le mouvement autonomiste du MAC, alors même que ce dernier venait d'être classé comme organisation terroriste par le Haut Conseil de sécurité. La collusion entre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et Rachad, avec les services secrets marocains, a été dévoilée depuis de longues années. Mais les autorités sécuritaires algériennes semblent avoir attendu de réunir suffisamment d'éléments à charge pour réagir, semble-t-il, d'après toujours cette Algérie patriotique. Les incendies qui ont ravagé plusieurs milliers d'hectares, notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou, où les deux organisations croyaient l'État absent après que les manifestations eurent continué à s'y dérouler tous les vendredis, alors que le Hirak a cessé partout ailleurs. Barre du jeune Jamal Ben Smaïl, l'Airahmou, ont accéléré le processus d'éradication des deux mouvements actionnés par le Maroc et Israël comme armes contre l'Algérie. Ce Haut Conseil de sécurité annonce une série d'arrestations et la traque des éléments des deux organisations, mais ne donne pas plus de détails sur le sort qui sera réservé aux commanditaires établis à l'étranger, à savoir les chefs de file de Rachad, un certain Al-Arbi Zetot, basé à Londres, et l'autre Mourad Dina, installé lui à Genève, entre autres. Et Farhat Mehenni, oui, c'est Farhat Mehenni, réfugié lui en France, mais qui vient d'être convoqué par la police suite à un mandat d'arrêt lancé par la justice algérienne. Bien évidemment, nous en saurons plus et davantage encore dans les heures, si ce n'est dans les jours à venir. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, au travers de votre Ce qui fait débat
habituel, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, mais aussi un immense merci, surtout pour votre participation, de nous écouter et d'aller jusqu'au bout de vos séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, réciproquement, mutuellement, de nous aider et d'aider votre chaîne Bled Maharibia en vous y abonnant, très très nombreux possible, afin d'être informé le plus rapidement possible également. Partagez vos séquences au grand maximum autour de vous, vos séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, les amis. Al-Azdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila al-liqa fi hissa ukhra, insha'Allah. Ma'a salama.